lycée professionnel Françoise Dolto propose une formation d'aide-soignant en 10 mois qui débouche, comme tous les instituts de formation de ce type en France, sur un diplôme d'État. Mais le lycée Dolto a un petit plus. La spécificité à Françoise Dolto, c'est que l'institut est situé au sein d'un lycée professionnel. Donc c'est l'éducation nationale et les études sont gratuites pour les élèves. Ce qui n'est pas le cas d'habitude, et quand notre école a ouvert il y a 5 ans, nous étions les premiers en Rhône-Alpes à offrir ce genre de formation. Un coup de pouce toujours le bienvenu quand on commence des études ou qu'on les reprend. Le profil des élèves est effectivement souvent éclectique, mais cette année il n'y a que des filles âgées de 17 à 40 ans. C'est un public extrêmement varié, plutôt féminin, mais il arrive qu'il y ait des garçons, pour cette année il n'y en a pas, et qui viennent aussi de raisons professionnelles très variées. Il y a des gens qui sortent de BEP carrière sanitaire et sociale, des gens qui ont eu un BEP il y a quelques années et qui reviennent chercher de la formation parce qu'elles sentent bien dans leur pratique qu'elles ont besoin d'affirmer un peu plus leurs connaissances. Et puis des gens qui sont dans la reconversion professionnelle, qui ont fait complètement autre chose et qui viennent chercher un métier aujourd'hui qui les intéresse. J'aime bien m'occuper des gens. Puis j'aime bien les voir heureux, quoi, sourire. Je suis extrêmement satisfaite, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit intensif. Ce qui me plaît, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, en fait. On a fait beaucoup de théories, notamment sur l'anatomie, les pathologies. Et j'angoissais un peu par rapport à ça, à reprendre les études et tout. Et finalement, ça m'a beaucoup plu d'apprendre plein de choses, quoi. Donc là, elle apprend à aider une personne à aller faire un transfert du fauteuil à une chaise. Donc elle doit plier ses jambes, faire attention à son dos, pour manipuler la personne sans se faire mal, et sans faire mal à la personne. Attrape-moi l'épaule. Attrape-moi l'épaule. Ici, une promo de 16 élèves, quand la plupart proposent des classes d'une centaine, un avantage très apprécié par les filles. Donc elle lui apprend à se déplacer en toute sécurité. Ce qui est bien, c'est qu'on a une petite promo. C'est bien relationnel. Je veux dire, si on a besoin d'aide, tout le monde est là. Les professeurs expliquent bien. C'est pratique. Et le fait qu'on soit un petit noyau, je trouve qu'on est plus solidaire. On est moins dans l'indifférence des uns des autres. Pour faire cette formation, il faut passer un concours et les débouchés dans ce secteur sont très bonnes. 100% des élèves sortants trouvent un emploi d'aide-soignant et par la suite, des évolutions de carrière sont également possibles. Retrouvez toutes les infos de votre région sur rhonealpes.fr.